Bonjour, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna. Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours surveiller une poêle qui est sur le feu. Et moi, je vais vous donner les explications scientifiques. Ça, c'est une poêle à frire dans laquelle on a mis des saucisses. Et nous venons d'allumer le feu pour les faire griller. Vous voyez, tous les liquides, y compris les huiles de cuisson, ont un point d'inflammabilité à une certaine température qui dépend de leur structure chimique et moléculaire. Ça veut juste dire que si la poêle devient trop chaude, l'huile va s'enflammer. Comme ça. Oh, mes pauvres saucisses. Et si personne n'est là pour surveiller la poêle au moment où ça arrive, le feu va prendre de plus en plus d'ampleur. Le feu prend de plus en plus d'ampleur même si on est là, Anna. Il ne faut jamais laisser une poêle sans surveillance et ne rien faire dans la cuisine sans l'aide d'un adulte. D'ailleurs, si une poêle commence à fumer, c'est sûrement parce qu'elle est trop chaude. Dans ce cas, il faut couper le gaz et laisser la poêle refroidir. Je crois que mes saucisses sont un peu trop grillées. Quand une poêle prend feu dans la cuisine, il ne faut jamais verser de l'eau dessus. Reste le plus loin possible et demande à un adulte de la couvrir avec un tissu mouillé ou une couverture anti-feu. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers. Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal. Marie va vous faire une démonstration. Ne faites surtout pas la même chose à la maison. Oh, non. Et il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers. Je vais bien. Merci les cadets. Bonjour, je suis Atomic Mathieu. Et moi, je suis Super Nicolas. Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit, vous devez toujours veiller à être bien visible. Tu trouves que tu brilles comme un super-héros? Oh. Alors n'oubliez pas, citoyens de la Terre, que pour être en sécurité, il faut vous éclairer pour être visible quand vous sortez. Avoir une fenêtre, c'est très agréable. On peut regarder dehors. On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais. Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord. En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord. Si tu montes dessus et que tu tombes, tu peux te faire très mal. Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre. Et là, tu risques de te faire vraiment très mal. Oh. Nicolas, tu n'aurais pas vu les deux figurines que tante Phyllis m'a offertes pour mon anniversaire? Oui, maman. Je descends te les rapporter tout de suite. Tu sais où est rangé le tube de colle? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtres. Bonjour, soyez les bienvenus. Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice. Est-ce que tu es prêt, Sam? Je suis prêt, Max. Il faut toujours se tenir à une certaine distance des feux d'artifice. Cela dit, on peut faire en sorte d'être suffisamment près quand même pour voir le feu d'artifice, hein, Max? Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue. Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Pontypandy. Les barbecues, ça peut être très amusant, mais ça peut être aussi très, très dangereux. Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer. Hé, Tristan, c'est le mien qui sera allumé le premier. Oh, on va voir ce qu'on va voir, Max. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu. Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer. Oh, oh, oh. N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat pour qu'il soit bien stable une fois allumé. Regardez, il a l'air bien à plat et stable. C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue. Non, non, mes saucisses. Oh, moi, mes saucisses. T'entends ça? Au feu,
reviens, je m'en occupe. Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui. Bonjour les amis, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur la sécurité routière. Avec Super Nicolas et Atomique Mathieu. Bonjour citoyens de la Terre, c'est moi le super-héros Super Nicolas. Et moi, je suis Atomique Mathieu. Et aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre Nicolas sur... Prime, je te préviens, tu n'iras nulle part si tu ne mets pas ton casque. Mais maman, on tourne une vidéo sur la sécurité routière pour Sam le pompier et tu es en train de tout gâcher. Moi, j'ai mis mon casque, Madame Prime. Nya, 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 moi, j'ai mis mon casque. Oh, je vois ça et tu es vraiment superbe dans cette tenue, Mathieu. Je ne suis pas Mathieu, je suis Atomique Mathieu. Et moi, je suis Super Nicolas. Et Super Nicolas ne porte pas de casque quand il conduit la Super Nicolas Mobile. Tu crois? Alors il ne va pas conduire la Super Nicolas Mobile. Mais maman, les héros, ça ne porte jamais de casque. Suivez-moi, c'est par là. Ou peut-être que si en fait... Super Nicolas à la rescousse. Et Atomique Mathieu. N'oubliez pas que le plus important, c'est la sécurité. Oh. Oh. Et que les héros n'oublient jamais de porter leur casque. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. N'oublie pas de garder tes animaux domestiques à la maison les soirs de feux d'artifice. Ça y est, tous les animaux domestiques sont chez eux, Sam. Enfin, tous sauf celui-là. Ne vous inquiétez pas, je le ramène à la maison. Et celui-là aussi. Bien, il faut veiller à mettre vos animaux à l'intérieur. Parce que le bruit des explosions peut les effrayer. Merci les cadets. Bonjour tout le monde, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière. Avec Super Nicolas et Atomique Mathieu. C'est moi, je suis Super Nicolas et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité. Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomique Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher. Maman, j'ai besoin de toi. Je vais t'aider à traverser la rue. Mais il y a trois choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue. Les voici dans l'ordre. S'arrêter, regarder et écouter. D'abord, on s'arrête au bord du trottoir. Ensuite, on regarde à gauche et à droite. Ensuite, on écoute. Hein? Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue. Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter. Super Nicolas, tu as commencé sans moi. Tu arrives trop tard, Atomique Mathieu. On a presque terminé. Non, pas du tout. Tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci. Venez, Madame Prime. Oh, ah, maman. Oh, Tristan. Heureusement que vous êtes là pour me sauver. Alors, reprenons la démonstration. Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte. Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir. Avant de traverser. Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés. Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue. Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue. Bravo, c'est du bon travail. Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Pontypandy. Aujourd'hui, nous sommes à la plage. Bonjour Martin, salut Tom. Est-ce que tout se passe bien? Oui, Sam, nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau. Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention, vous ne devez pas être dos à la mer. Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser. Fais attention, Tom. Hein? Ouah! Oh, j'ai failli tomber. Tout va bien, Sam, je contrôle la situation. Berk, j'ai bu la tasse, la mer est très salée. Tu veux un peu d'eau? Oui, merci, Sam, c'est très gentil. Je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies. Je vous présente mon fidèle assistant,
Nicolas Prime, qui va mettre du net précieux. Bonjour, c'est moi, Nicolas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau? Je t'écoute. Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon. Non, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas. C'est juste pour faire semblant. C'est dégoûtant. Bon, quelle règle de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber. C'est exact, Nicolas. Maintenant, c'est le moment de les allumer. Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place et ne jamais jouer avec des allumettes. Merci Julie, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer. Allez, apportez le gâteau à maman. Non Nicolas, règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée. J'ai déplacé des bougies allumées, Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Prime près d'un gâteau d'anniversaire. Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité. Un fer à repasser, c'est vraiment très utile. Il peut permettre d'enlever les plis d'un pantalon froissé et d'être tout beau pour l'inspection générale. Mais un fer à repasser, ça peut aussi être très dangereux. Touché, c'est toi le chat. Attention, le fer à repasser est toujours branché. Oh non. Un fer à repasser, c'est lourd. Tu peux trébucher sur le fil et le faire tomber sur toi si tu ne fais pas attention. Et en plus, un fer à repasser reste chaud pendant très longtemps, même s'il a bien été débranché. Papa! Oui, qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Touché, c'est toi le chat. Et tu as oublié quelque chose? Oh là 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 là, c'est dangereux, je vais d'abord le débrancher et ensuite j'irai jouer à chat. Attention, j'arrive! Alors soyez prudents et ne jouez pas près d'un fer à repasser. N'oubliez pas que les fers à repasser restent chauds très longtemps, même après avoir été débranchés. Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Bonty Bondy. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau. Ne vous approchez jamais du bord de l'eau si vous n'êtes pas avec un adulte. Martin, c'est un adulte. Et moi, je suis en sécurité, je peux aller... Oh là là! Et n'oubliez pas vos sandales en plastique pour vous protéger les pieds. Il peut y avoir des choses coupantes au fond de l'eau, comme des petits rochers que vous ne pouvez pas voir. Tu veux un pansement, Tom? Bonjour! Soyez les bienvenus, voici les conseils de sécurité pour les feux d'artifice présentés par Max Caro. Vas-y, donne-leur ton conseil de sécurité, Max. En fait, j'attends qu'ils envoient la musique de lancement. On n'a que 30 secondes, on n'a pas le temps, on t'écoute. Oui, d'accord, Sam. Alors, si vous avez allumé une fusée de feux d'artifice et qu'elle n'est pas partie, ne vous en approchez pas, elle peut encore se déclencher. Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna. Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique. Ça, c'est une prise électrique. Et normalement, on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique. Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise. Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci. Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider. Vous voyez, chaque prise peut supporter une charge électrique maximale qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question. Papa, oh! Regardez, j'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux. Papa, ton branchement a vraiment l'air très dangereux. Ne t'inquiète pas, Anna, je sais ce que je fais. Oh, ça y est, le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé. Waouh, tu as vu comme il file? Laisse Jupiter et regarde, papa, le branchement électrique. Il y a trop de choses branchées en même temps. Oh.
voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique. L'électricité, c'est très pratique. Grâce à elle, on peut chauffer l'eau pour le thé ou encore cuisiner le dîner. L'électricité nous permet aussi d'avoir de la lumière quand il fait noir. Mais l'eau et l'électricité sont très dangereuses ensemble. Il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées. Il ne faut pas non plus laisser des boissons à côté ou sur les appareils électriques. Et il ne faut absolument jamais apporter un appareil électrique qui se branche dans la salle de bain ou le mettre près d'une source d'eau. Tu risquerais de prendre une décharge électrique. Voilà, la sécurité avant tout. Et n'oublie pas que l'eau et l'électricité, ça rime avec danger. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine. Attention, attention les amis, voilà notre vidéo intitulée « Les casse-coups sont dans la cuisine ». Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-cou. Oh. Ne t'inquiète pas Mathieu, l'électricité n'est pas allumée et il n'y a rien dans la casserole. Et il n'y a absolument rien à craindre. Tais-toi Sarah, tu vas tout gâcher. On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai. Ce n'est pas grave Nicolas. Quand ton papa ou ta maman cuisine, ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté. Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient. Quand est-ce qu'on passe à la partie casse-cou de la vidéo? D'accord, Nicolas. Attention, je vais maintenant tourner la poignée de la casserole dans la position dangereuse. Roulement de tambour. Oh, oh, je ne veux pas voir ça. Quand le manche de la casserole est dans ce sens, tu pourrais très facilement la renverser et tu risquerais de te brûler gravement. Donc, si le manche est dans ce sens, ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte. Je vous avais bien dit que c'était super dangereux. Oh. Soyez toujours prudent dans la cuisine et ne vous approchez pas des casseroles chaudes. Si le manche d'une casserole est tourné vers vous, demandez à un adulte de le tourner sur le côté. Bonjour, soyez les bienvenus. Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice. Il faut toujours porter des gants quand on manipule des feux de Bengale pour se protéger les mains. Oh, 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 il s'est déjà éteint. Aïe! Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Oh. Et n'oubliez pas, les feux de Bengale restent très chauds, même une fois qu'ils se sont éteints. Alors pensez à avoir un seau d'eau à proximité pour les mettre dedans quand vous avez fini. Je peux en avoir un autre, s'il te plaît, Sam? Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Bounty Bandy! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau. Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pied, vous devez être vraiment prudent. Tu ne crois pas si bien dire, Martin. L'eau peut devenir d'un coup... Elle peut devenir d'un coup très profonde. N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau. Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue. Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Bounty Bandy. Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours rester à une certaine distance du barbecue. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais? Je veille à ce que personne ne s'approche trop près du barbecue. Non! Non, reculez! Mais j'ai mis une superbe côte de bœuf sur le barbecue. Et moi, je voudrais mettre mon pain à griller. Nicolas, tu dois laisser mon père s'approcher du barbecue. C'est lui qui fait les grillades. Mais non, arrêtez, c'est... Oh. Les enfants, Nicolas a raison. Il ne faut jamais s'approcher trop près d'un barbecue ou de quoi que ce soit d'autre qui soit trop chaud. Mais il vaut mieux laisser celui qui fait les grillades s'en approcher, surtout si vous avez faim. Oh non. Ma superbe côte de bœuf ressemble à un morceau d'écorce d'arbre desséché. Je vais devoir manger mon pain sans rien dedans. Heureusement, j'ai apporté de quoi nous faire un bon repas. Oh non, je viens de finir mon morceau de pain.
Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies. À nous de jouer, Nicolas. Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer. Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes? C'est facile, ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés. Non, Nicolas, je te laisse réfléchir. La voiture, parce qu'elle a l'air vraiment super lente. Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça. Non, Nicolas, c'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie. Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi. Oh, mais moi justement je voulais jouer avec les allumettes. On aurait pu faire une partie de Mikado. Non, Nicolas, tu ne dois jamais jouer avec des allumettes et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr. Je le savais déjà, tu sais. Merci les jeunes cadets. Bonjour, c'est moi, Super Nicolas. Et moi je suis Atomique Mathieu. Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Pontypandy des dangers de la gare et du chemin de fer. Et moi aussi. Mais c'est moi le vrai héros. Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses. C'est justement ce que j'allais dire. Et il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer. Et ne vous approchez surtout pas du bord du quai, même s'il n'y a pas de train. Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser quand on est sur un quai ou au bord d'une voie. Pardon, Sam, on ne le fera plus. Ne t'inquiète pas, Sam. Je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai. Voilà. N'oubliez pas, citoyens de la Terre, soyez toujours très prudents quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer. Attendez, c'est mon train. Attendez-moi. Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna. Oui, je suis Joe Barquette. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée. C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée. Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable. Il pourrait par exemple se déclencher si cette bougie était renversée par accident. Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident, hein papa? Mais non, ne t'inquiète pas Anna, elle est juste là pour donner un exemple. Si tu le dis papa, c'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée. Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée. Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette. Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici. Je sais ce que je fais, ma chérie. Voilà, la fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche. Oh misère. Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie. Bon, n'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité quand on est au bord d'une piscine. Il est important de marcher doucement quand on est au bord d'une piscine. On ne doit pas courir. Sarah et Mathieu vont nous faire une démonstration. Courir est interdit. Allez, qu'est-ce que vous attendez? C'est complètement ridicule. Tout le monde sait à quoi ça ressemble de marcher. Je parie que je marche plus vite que toi. C'est ce qu'on va voir. Adieu. Tu es super lente, une vraie tortue. N'oubliez pas qu'il est interdit de courir. Ne t'inquiète pas, tonton Sam. On ne va pas courir. Allez, vas-y, Mathieu. Tu vas gagner. Je t'ai vu, tu as poussé mon copain dans l'eau.
Rappelle-moi ce qu'il est également interdit de faire, Nicolas. Il est également interdit de pousser quelqu'un dans l'eau. Je suis désolée, Sam. Pardon, Sarah. Pardon, Mathieu. Alors, n'oubliez pas, marchez et ne courez pas. Vous pourriez glisser et tomber. Et il est interdit de pousser ses amis. Merci, les cadets. Bonjour, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna. Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours surveiller une poêle qui est sur le feu. Et moi, je vais vous donner les explications scientifiques. Ça, c'est une poêle à frire dans laquelle on a mis des saucisses. Et nous venons d'allumer le feu pour les faire griller. Vous voyez, tous les liquides, y compris les huiles de cuisson, ont un point d'inflammabilité à une certaine température qui dépend de leur structure chimique et moléculaire. Ça veut juste dire que si la poêle devient trop chaude, l'huile va s'enflammer. Comme ça. Oh, mes pauvres saucisses. Et si personne n'est là pour surveiller la poêle au moment où ça arrive, le feu va prendre de plus en plus d'ampleur. Le feu prend de plus en plus d'ampleur même si on est là, Anna. Il ne faut jamais laisser une poêle sans surveillance et ne rien faire dans la cuisine sans l'aide d'un adulte. D'ailleurs, si une poêle commence à fumer, c'est sûrement parce qu'elle est trop chaude. Dans ce cas, il faut couper le gaz et laisser la poêle refroidir. Je crois que mes saucisses sont un peu trop grillées. Quand une poêle prend feu dans la cuisine, il ne faut jamais verser de l'eau dessus. Reste le plus loin possible et demande à un adulte de la couvrir avec un tissu mouillé ou une couverture anti-feu. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Il ne faut jamais rien laisser sur des escaliers. Quelqu'un pourrait marcher dessus, tomber et se faire très mal. Marie va vous faire une démonstration. Ne faites surtout pas la même chose à la maison. Oh, non. Et il ne faut pas non plus laisser traîner n'importe quoi au pied des escaliers. Je vais bien. Merci les cadets. Bonjour, je suis Atomique Mathieu. Et moi, je suis Super Nicolas. Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit, vous devez toujours veiller à être bien visible. Tu trouves que tu brilles comme un super-héros? Oh. Alors n'oubliez pas, citoyens de la Terre, que pour être en sécurité, il faut vous éclairer pour être visible quand vous sortez. Avoir une fenêtre, c'est très agréable. On peut regarder dehors. On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais. Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord. En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord. Si tu montes dessus et que tu tombes, tu peux te faire très mal. Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre. Et là, tu risques de te faire vraiment très mal. Oh. Oh. Nicolas, tu n'aurais pas vu les deux figurines que tante Phyllis m'a offertes pour mon anniversaire? Oui, maman. Je descends te les rapporter tout de suite. Tu sais où est rangé le tube de colle? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtres. Bonjour, soyez les bienvenus. Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice. Est-ce que tu es prêt, Sam? Je suis prêt, Max. Il faut toujours se tenir à une certaine distance des feux d'artifice. Cela dit, on peut faire en sorte d'être suffisamment près quand même pour voir le feu d'artifice, hein, Max? Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue. Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Pontypandy. Les barbecues, ça peut être très amusant, mais ça peut être aussi très, très dangereux. Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer. Hé, Tristan, c'est le mien qui sera allumé le premier. Oh, on va voir ce qu'on va voir, Max. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu.
Voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer. N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat pour qu'il soit bien stable une fois allumé. Regardez, il a l'air bien à plat et stable. C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue. Non, non, mes saucisses, rends-moi mes saucisses. Tonton Sam, tout va bien, je m'en occupe. Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui. Bonjour les amis, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur la sécurité routière. Avec Super Nicolas et Atomique Mathieu. Bonjour citoyens de la Terre, c'est moi le super-héros Super Nicolas. Et moi, je suis Atomique Mathieu. Et aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur... Nicolas Prime, je te préviens, tu n'iras nulle part si tu ne mets pas ton casque. Mais maman, on tourne une vidéo sur la sécurité routière pour Sam le pompier et tu es en train de tout gâcher. Moi, j'ai mis mon casque, Madame Prime. Nya, 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 moi j'ai mis mon casque. Oh, je vois ça et tu es vraiment superbe dans cette tenue, Mathieu. Je ne suis pas Mathieu, je suis Atomique Mathieu. Et moi, je suis Super Nicolas. Et Super Nicolas ne porte pas de casque quand il conduit la Super Nicolas Mobile. Tu crois? Alors il ne va pas conduire la Super Nicolas Mobile. Mais maman, les héros, ça ne porte jamais de casque. Suivez-moi, c'est par là. Ou peut-être que si en fait... Super Nicolas, à la rescousse. Et Atomique Mathieu. N'oubliez pas que le plus important, c'est la sécurité. Et que les héros n'oublient jamais de porter leur casque. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. N'oublie pas de garder tes animaux domestiques à la maison les soirs de feu d'artifice. Ça y est, tous les animaux domestiques sont chez eux, Sam. Enfin, tous sauf celui-là. Ne vous inquiétez pas, je le ramène à la maison. Et celui-là aussi. Bien, il faut veiller à mettre vos animaux à l'intérieur. Parce que le bruit des explosions peut les effrayer. Merci les cadets. Bonjour tout le monde, je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière. Avec Super Nicolas et Atomique Mathieu. C'est moi, je suis Super Nicolas et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité. Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomique Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher. Maman, j'ai besoin de toi. Je vais t'aider à traverser la rue. Mais... Il y a trois choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue. Les voici dans l'ordre. S'arrêter, regarder et écouter. D'abord, on s'arrête au bord du trottoir. Ensuite, on regarde à gauche et à droite. Ensuite, on écoute. Hein? Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue. Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter. Super Nicolas, tu as commencé sans moi. Tu arrives trop tard, Atomique Mathieu. On a presque terminé. Non, pas du tout. Tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci. Venez, Madame Prime. Oh, maman. Oh, Tristan. Heureusement que vous êtes là pour me sauver. Alors, reprenons la démonstration. Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte. Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir. Avant de traverser. Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés. Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue. Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue. Bravo, c'est du bon travail. Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Pontypandy. Aujourd'hui, nous sommes à la plage. Bonjour Martin, salut Tom, est-ce que tout se passe bien? Oui Sam, nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau. Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention, vous ne devez pas être dos à la mer. Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser. Fais attention Tom! Hein? Ouah! J'ai failli tomber! Tout va bien Sam, je contrôle la situation! Berk, j'ai bu la tasse, la mer est très salée. Tu veux un peu d'eau? Oui, merci, Sam. C'est très gentil.
Je suis Sam le pompier. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies. Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse. Bonjour, c'est moi, Nicolas. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau? Je t'écoute. Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon. Lana, ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas, c'est juste pour faire semblant. C'est dégoûtant. Bon, quelle règle de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas? Règle numéro 1, vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber. C'est exact, Nicolas. Maintenant, c'est le moment de les allumer. Règle numéro 2, toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place et ne jamais jouer avec des allumettes. Merci Julie, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer. Allez, apportez le gâteau à maman. Non Nicolas, règle numéro 3, on ne déplace jamais une bougie qui a été allumée. J'ai déplacé des bougies allumées. Règle numéro 4, ne jamais laisser Nicolas Prime près d'un gâteau d'anniversaire. Et voilà, je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité. Un fer à repasser, c'est vraiment très utile. Il peut permettre d'enlever les plis d'un pantalon froissé et d'être tout beau pour l'inspection générale. Mais un fer à repasser, ça peut aussi être très dangereux. Touché, c'est toi, chat. Attention, le fer à repasser est toujours branché. Oh non! Un fer à repasser, c'est lourd. Tu peux trébucher sur le fil et le faire tomber sur toi si tu ne fais pas attention. Et en plus, un fer à repasser reste chaud pendant très longtemps, même s'il a bien été débranché. Papa! Oui, qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Touché, c'est toi, le chat. Et tu as oublié quelque chose? Oh là 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 là, c'est dangereux, je vais d'abord le débrancher et ensuite j'irai jouer à chat. Attention, j'arrive! Alors soyez prudents et ne jouez pas près d'un fer à repasser. N'oubliez pas que les fers à repasser restent chauds très longtemps, même après avoir été débranchés. Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Bounty Bandy. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau. Ne vous approchez jamais du bord de l'eau si vous n'êtes pas avec un adulte. Martin, hein? C'est un adulte. Et moi, je suis en sécurité, je peux aller... Oh là là! Et n'oubliez pas vos sandales en plastique pour vous protéger les pieds. Il peut y avoir des choses coupantes au fond de l'eau, comme des petits rochers que vous ne pouvez pas voir. Tu veux un pansement, Tom? Bonjour! Soyez les bienvenus, voici les conseils de sécurité pour les feux d'artifice présentés par Max Caro. Vas-y, donne-leur ton conseil de sécurité, Max. Mais en fait, j'attends qu'ils envoient la musique de lancement. On n'a que 30 secondes, on n'a pas le temps, on t'écoute. Oui, d'accord, Sam. Alors, si vous avez allumé une fusée de feux d'artifice et qu'elle n'est pas partie, ne vous en approchez pas, elle peut encore se déclencher. Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle règle de sécurité avec Joe et Anna. Aujourd'hui, Joe et Anna vont vous expliquer pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique. Ça, c'est une prise électrique. Et normalement, on ne branche qu'un seul appareil par prise électrique. Mais il arrive parfois qu'on ait besoin de brancher plus d'un appareil sur la même prise. Ce n'est pas un problème si on utilise une multiprise comme celle-ci. Mais quel que soit l'appareil à brancher, à partir du moment où il est électrique, il faut toujours demander à un adulte de vous aider. Vous voyez, chaque prise peut supporter une charge électrique maximale qui dépend de l'ampérage et du voltage de l'appareil électrique que l'on veut brancher sur la prise en question. Papa, oh! Regardez, j'ai branché beaucoup trop de choses sur cette prise pour vous montrer à quel point ça peut être dangereux. Papa, ton branchement a vraiment l'air très dangereux. Ne t'inquiète pas, Anna, je sais ce que je fais. Oh, ça y est, le Jupiter télécommandé de Sam est complètement rechargé. Waouh, tu as vu comme il file? Laisse Jupiter et regarde, papa, le branchement électrique. Il y a trop de choses branchées en même temps.
voilà pourquoi il ne faut jamais surcharger une prise électrique. L'électricité, c'est très pratique. Grâce à elle, on peut chauffer l'eau pour le thé ou encore cuisiner le dîner. L'électricité nous permet aussi d'avoir de la lumière quand il fait noir. Mais l'eau et l'électricité sont très dangereux ensemble. Il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées. Il ne faut pas non plus laisser des boissons à côté ou sur les appareils électriques. Et il ne faut absolument jamais apporter un appareil électrique qui se branche dans la salle de bain ou le mettre près d'une source d'eau. Tu risquerais de prendre une décharge électrique. Voilà, la sécurité avant tout. Et n'oublie pas que l'eau et l'électricité, ça rime avec danger. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine. Attention, attention les amis, voilà notre vidéo intitulée « Les casse-cou sont dans la cuisine ». Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-cou. Oh. Ne t'inquiète pas Mathieu, l'électricité n'est pas allumée, il n'y a rien dans la casserole. Et il n'y a absolument rien à craindre. Tais-toi Sarah, tu vas tout gâcher. On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai. Ce n'est pas grave Nicolas. Quand ton papa ou ta maman cuisine, ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté. Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient. Quand est-ce qu'on passe à la partie casse-cou de la vidéo? D'accord, Nicolas. Attention, je vais maintenant tourner la poignée de la casserole dans la position dangereuse. Roulement de tambour. Oh, oh, je ne veux pas voir ça. Quand le manche de la casserole est dans ce sens, tu pourrais très facilement la renverser et tu risquerais de te brûler gravement. Donc, si le manche est dans ce sens, ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte. Mon pied, ouille, je vous avais bien dit que c'était super dangereux. Oh. Soyez toujours prudent dans la cuisine et ne vous approchez pas des casseroles chaudes. Si le manche d'une casserole est tourné vers vous, demandez à un adulte de le tourner sur le côté. Bonjour, soyez les bienvenus. Voici mes conseils de sécurité pour les feux d'artifice. Il faut toujours porter des gants quand on manipule des feux de Bengale pour se protéger les mains. Oh, 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 il s'est déjà éteint. Aïe! Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Oh. Et n'oubliez pas, les feux de Bengale restent très chauds, même une fois qu'ils se sont éteints. Alors pensez à avoir un seau d'eau à proximité pour les mettre dedans quand vous avez fini. Je peux en avoir un autre, s'il te plaît, Sam? Bonjour, nous sommes les baroudeurs de Ponty Pandy! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau. Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pied, vous devez être vraiment prudent. Tu ne crois pas si bien dire, Martin. L'eau peut devenir d'un coup... Elle peut devenir d'un coup très profonde. N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau. Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner. Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue. Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Ponty Pandy. Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours rester à une certaine distance du barbecue. Nicolas, mais qu'est-ce que tu fais? Je veille à ce que personne ne s'approche trop près du barbecue. Non! Non, reculez! Mais j'ai mis une superbe côte de bœuf sur le barbecue. Et moi, je voudrais mettre mon pain à griller. Nicolas, tu dois laisser mon père s'approcher du barbecue. C'est lui qui fait les grillades. Mais non, arrêtez, c'est... Oh. Les enfants, Nicolas a raison. Il ne faut jamais s'approcher trop près d'un barbecue ou de quoi que ce soit d'autre qui soit trop chaud. Mais il vaut mieux laisser celui qui fait les grillades s'en approcher, surtout si vous avez faim. Oh non. Ma superbe côte de bœuf ressemble à un morceau d'écorce d'arbre desséché. Je vais devoir manger mon pain sans rien dedans. Heureusement, j'ai apporté de quoi nous faire un bon repas. Oh non, je viens de finir mon morceau de pain.
Je m'appelle Mathieu. Je m'appelle Sarah. Moi, c'est Marie. Et moi, je m'appelle Nicolas. Nous sommes l'équipe des jeunes cadets. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies. À nous de jouer, Nicolas. Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer. Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes? C'est facile, ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés. Non, Nicolas, je te laisse réfléchir. La voiture, parce qu'elle a l'air vraiment super lente. Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça. Non, Nicolas, c'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie. Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi. Oh, mais moi justement je voulais jouer avec les allumettes. On aurait pu faire une partie de Mikado. Non, Nicolas, tu ne dois jamais jouer avec des allumettes et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr. Je le savais déjà, tu sais. Merci les jeunes cadets. Bonjour, c'est moi, Super Nicolas. Et moi je suis Atomic Mathieu. Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Pontypandy des dangers de la gare et du chemin de fer. Et moi aussi. Mais c'est moi le vrai héros. Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses. C'est justement ce que j'allais dire. Et il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer. Et ne vous approchez surtout pas du bord du quai, même s'il n'y a pas de train. Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser quand on est sur un quai ou au bord d'une voie. Pardon, Sam, on ne le fera plus. Ne t'inquiète pas, Sam. Je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai. Voilà. N'oubliez pas, citoyens de la Terre, soyez toujours très prudents quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer. Attendez, c'est mon train. Attendez-moi. Bonjour, je suis Sam le pompier et aujourd'hui, nous allons parler des règles de sécurité anti-incendie avec mes amis de Pontypandy, Joe et Anna. Oui, je suis Joe Barquette. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fonctionnement scientifique d'un détecteur de fumée. C'est très important d'avoir chez soi un détecteur de fumée. Il peut vous prévenir qu'il y a un danger avant qu'un feu ne devienne incontrôlable. Il pourrait par exemple se déclencher si cette bougie était renversée par accident. Oui, mais elle ne va pas être renversée par accident, hein papa? Mais non, ne t'inquiète pas Anna, elle est juste là pour donner un exemple. Si tu le dis papa, c'est le moment de montrer à nos amis comment tester leur détecteur de fumée. Il y a de nombreuses façons de tester un détecteur de fumée. Je vais me servir de la méthode dite de l'allumette. Oui, mais tu pourrais aussi appuyer tout simplement sur le bouton de test ici. Je sais ce que je fais, ma chérie. Voilà, la fumée de l'allumette que je viens d'éteindre en soufflant dessus va provoquer des radiations alpha qui vont ioniser l'air de la pièce et... Et oui, le détecteur de fumée sonne très très fort quand on le déclenche. Oh misère, oh misère, oh misère! Et le détecteur de fumée fait exactement le même bruit quand il y a un véritable incendie. Bon, n'oubliez pas d'installer un détecteur de fumée chez vous et de vérifier régulièrement qu'il marche bien. À chaque signal d'alarme, ça me garde.